Salut les Exploreurs et bienvenue aux Académies de l'Exploral Festival. Aujourd'hui, c'est VTT électrique et on va se balader du côté de M-la-Plagne. Suivez-moi. Alors, qui n'a pas de gants là, dans les grands là? Allez chef, hop là. Le deuxième de l'autre côté là, le blanc. D'accord? On va monter un petit peu, on va aller rouler dans les villages au-dessus là, on va aller peut-être vers la côte d'Aime, voilà. Bon ben voilà, je suis prête. Je crois qu'ils m'ont mis en jaune pour pas me perdre. En fonction des vitesses que vous allez utiliser, vous allez avoir un pédalage plus ou moins souple. Et c'est bien d'avoir un pédalage souple quand vous êtes en VTT, en montée à assistance électrique. D'accord? Ok. Waouh, c'est magnifique, sublime ici. Voilà Bruno, c'est quoi l'intérêt des sorties comme ça en VTT électrique pour les jeunes? Ben, l'intérêt c'est de vraiment trouver 100%, je dirais presque 200% de plaisir. En fait, c'est de rouler en groupe avec un rythme qui est identique pour tout le monde. Parce que grâce au mode d'assistance, chacun va y trouver du plaisir. Et ça va permettre de faire progresser tout le monde à la même vitesse. Et vraiment, vous voyez, en parlant, on est bien. On n'a pas besoin de respirer, un petit peu quand même. Mais c'est vraiment du pur plaisir pour les enfants, quoi. On est debout sur le vélo, les deux freins. Les fesses, elles sont vers l'arrière. Et là, je suis en sécurité. Si je me remets en avant, je ne suis pas bien. Je reste bien en arrière, je reste en arrière jusqu'en bas. Bah, ça faisait un peu fort quand on n'a jamais fait, mais après, si on sait faire, c'est peut-être plus facile. Je trouve ça plus marrant et je trouve que bah, tu peux faire plus de choses dessus. On en a pris plein les yeux. Le vélo électrique, c'est quand même un sacré bon moyen pour découvrir du paysage sans trop se fatiguer. Voilà. Bon, on se retrouve demain. Salut !